Monsieur, c'est démasqué s'il vous plaît quand vous êtes en ville. On n'a pas un masque, on a un chaud sur la tête. C'est pour éviter d'avoir la pluie qui coule sur notre visage. Ouais, bah, hop. Merde. Ah bah vous l'enlevez tout de suite. Qu'est-ce que tu viens de faire? Oui, c'est-à-dire que j'étais en train de trifouiller. On avance. J'ai mis ce clic encore. On va à Saint-Denis. Oh, mais qu'est-ce qui s'est continuez, passé? Continuez. Ils vont là. Allez, je vous aide, on y va ensemble. C'est moi qui cherche, regardez-moi, c'est qui vient de tirer la base. Suivez le bistop de Riri. Ouais, c'est sympa. Bienveillance. Coucou, tu m'entends? Ouais, ça va, Andrea? Juste un truc, c'était pour te prévenir que Nash 66, c'est un mec adorable. Et si tu comptes sortir avec lui, bah je t'envoie la bénédiction. Mais t'es qui, toi? Amel, elle est ta mobile. Vas-y, dépense, fils de pute de Andrea. Non, je suis une fille. Bon, attends, je vais vous montrer parce que. Ah, c'est celui, j'ai vu ses vidéos sur YouTube. Salut, c'était pour les canulars super sympas. On fait des canulars super sympas, on fait des blagues. Ah ouais, j'aime trop. J'ai regardé plusieurs fois, c'est trop débat. Ouais, tu peux les rincer, il dégage, lui. Oh, c'est pas gentil, ça. Non, je déconne, c'était la blague super sympa. Ah ouais, là, j'ai vu tes vidéos. Eh, j'espère que tu vas pas me mettre sur YouTube. Quoi? Non, monsieur, on parle. Manu. Attends, j'ai pas encore fini. Là, je suis en plein concert musical, on parlera un autre moment. D'accord. Sont beaucoup de choses à dire. Monsieur Cosmos. Manuel Plocage, s'il vous plaît. D'accord, mais là, je suis en plein concert musical. Faut écouter, moi je chante en slam, donc on verra plus tard, c'est pas le bon moment. Ok. D'accord. Laissez-le finir. Oh. Je te prends aussi, hein, quand tu veux. Non mais toi tu prends un peu, toi, non? Non, encore, on t'a déjà prise. Non, on m'a pas déjà prise, non. Bon, me dis pas que c'est ton meilleur ami, là. C'est mon meilleur ami, c'est mon frère de cœur, donc... Eh, hey, force à toi, frérot, hein. T'arriveras pas à la pécho, hein. Il veut pas me pécho, donc qu'est-ce que tu parles? Regarde, tu te présentes avec un profil de bombe atomique, t'as vu ta gueule? Tu l'as mis dans la zone d'amitié ou quoi, ton ami, là? Non, mais on t'a déjà pêché ou pas? Si tu savais, il est beaucoup plus beau que toi, chérie. Hein. Je suis en train de m'imaginer, là. Imagine-toi bien, alors. Parce que ça sera jamais toi. Avec ta tête de sadique, là. Pervers. Ah ouais. C'est un gros pervers. J'en suis en train de se brûler. Regardez-le. Oh, je suis bouillant. Ah, je suis bouillant, non? Ah, mais moi, la cam normale, t'as l'air de me kiffer, là. Ah non, je te kiffe pas, non. Bouillant. Cuisine-le encore, Manu, cuisine-le. Vous savez, c'est quoi votre pire ennemi? Je vais vous le dire. C'est toi-même. Oh. Mais... mais comment? Oh. Ah, jusqu'au bout, hein. Ah, calme-toi, c'est bon, on va voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous voulez de l'argent? Rentre dans le théâtre. Rentre dans le théâtre. Mais je jouis dans le théâtre. Monsieur, c'est quoi ça? C'est... Mais c'est qui ce monsieur? Il a une voix familière. Vous êtes le mari de Gwen? Chien. Ouais, je suis mari de Gwen. Je vous suis depuis Saint-Denis. Toi, le dieu. Prochaine fois, tu m'envoies une mission encore plus difficile que celle-ci. Je te tue. Impossible. Amateur que vous êtes. J'ai pas réussi à voir la femme du théâtre. Vous pouvez bêcher les bras. Ta gueule! Non, levez le bras! Levez le bras! Enlève ton masque, petit rigolo que tu es, je t'ai reconnu! Non, t'as pas reconnu! Non, pas vrai! Impossible! Impossible, j'ai un masque! Qu'est-ce qui se passe? Ils ont mettre du Big Boo! Faut leur dire pas trop loin là! Pas trop loin! Pas trop loin, monsieur Madison! Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce hors-piste là? Problème technique! Problème technique! Pas trop loin là! Il y a du son? Qui est mort? Madison? Oh. Non, mais dites pas qu'il est. Il est où? Je crois que... Non, sérieux, non. Écoutez, Big Boo, je crois que c'en est fini de Madison. Ah, merde. On a fait du hors-piste. J'ai rien. Oh, j'ai rien. Oh mon dieu. Ça fait encore plus mal. Lâche-moi. Agrippe-toi au rocher, là. Fuck. Merde. Ça va bien se passer. Merde, putain.
Merde, j'ai bounce, j'ai bounce. J'ai bounce sous le rocher, merde. Trop gros. Merde. J'ai rien vu avec les sauts. C'est pas drôle. Ah, le gros lard, comment il a glissé. Putain, c'est quoi cette équipe de Golemont? Bah... Non, me dis pas que je suis mort pour ça, sérieux. Tiens, fais pareil. Ah non, ça a jamais été Nalim, c'est moi qui ai créé par bonne imagination. Ah non, c'est moi qui ai créé par bonne imagination. Et vous avez copié. Manu. Mais non, mais faut oublier. Pense, Manu, t'es un artiste, faut que tu vives aussi. On est d'accord, faut que tu gagnes de l'argent. Oui, c'est vrai. Mais de la guerre, on est d'accord, c'est le nerf de la guerre ou pas? Oui, mais j'ai pas envie de gagner de l'argent en faisant n'importe quoi. C'est une escroquerie, c'est malhonnête. S'il y a 10 000 personnes qui ont acheté les pyjamas, c'est que ça plaît. Ils sont fait avoir. Parce que ils sont pas fait avoir, mais pourquoi ils sont pas avoir? T'es malheureux, c'est que tu t'es laissé influencer par lui. Déjà, tu devrais l'engueuler. Et il fait du copier-coller. Je me laisse pas influencer. Mais pas du tout. J'ai lancé ma marque de pyjama, Manu. T'aurais, ça aurait pu marcher si t'avais employé un mot à toi. Par exemple, tu peux mettre la nuya, et ben tu pourrais mettre le bonheur. La nuya, ça va très bien avec un pyjama. Je n'ai pas la maman. Et maman a dit, effectivement, la nuit, on peut penser au pyjama. Elle a rigolé aussi. Bah oui. Bah ouais. Bah, c'est vrai qu'elle était un peu de ton avis. Mais tu vois, c'est une bonne idée. Psst, madame. Madame. Psst. Pardonnez. Non, mais c'est à moi. Madame, il y a un monsieur qui vous parle, là. Il est là-bas. J'en ai rien à faire. Il s'est foutu un poil, il est dans l'escalier. Non, mais... allez, écoutez ce qu'il a à vous demander, peut-être. Je dois en parler, venez. Regarde. Oui, mais vous avez des pensées négatives. Ça se trouve, c'est pour discuter. Bien sûr. Allez. Oh, regarde les chevaliers blancs qui vont. Oh là là. Sérieux, là, la situation est rigolote. Ça se trouve, il va demander quelque chose d'absurde. Qu'est-ce que vous faites, madame? Pourquoi vous êtes à poil chez moi? Déjà, vous vous rhabillez et je voulais juste prendre le gîte et j'ai fermé la porte à clé derrière moi et j'en ferai exprès. Ça m'étonnerait. C'est moi qui ai les clés, il n'y a que moi qui ai les clés. Donc ça m'étonnerait que ce soyez vous qui les savez. Ah, mais écoutez. Vous êtes chez moi là. Ah non, je suis. Si. Mais madame, c'est ouvert, l'établissement est ouvert au client. S'il a payé sa chambre, il a le droit, non? La chambre, elle n'est pas payante déjà d'une parce que c'est la mienne, donc ça risque pas. Mais excusez-moi alors, j'ai pensé que la chambre était une chambre d'hôtel comme. Non, comme c'est ma chambre moi, parce que c'est mon établissement. Donc maintenant, si vous retrouvez vos affaires vite fait ou alors vous allez au tailleur, mais vous sortez d'ici. Oui, très bien. Vous n'êtes quand même pas très docile, là, comme de moi. Madame, retournez-vous, là, il doit s'habiller. Madame, retournez-vous, c'est gênant pour lui. Regardez mes gros tétons, hein, voilà, c'est ça que vous voulez. Justement, parce que ça ressemblait un peu au délire, une adaptation. Salut, je suis en direct du React, un réact. J'essaie de surfer sur la... Dopior qui réacte, Rius, la vague du buzz du moment, et à ce moment-là, c'était Dieudonné qui buzzait, c'était Dieudonné, c'était l'ambiance qui réactait, donc voilà, le mec à chaque fois qu'il y a une ambiance, un buzz qui se passe sur la toile d'internet, il essaye de regarder quand c'était la ponce, quand c'était Ponce qui était en buzz, il a fait je réacte à Ponce, qui réacte ma chaîne, et qui ensuite je vais réacte, réacte, il est en train de réacte, et moi que je vais réacte sa chaîne, il réacte ma chaîne sur le site violet en train de réacte ma chaîne et là je fais un contre réacte de son live sur mon réacte parce qu'il est en train de me contre réacte, il est en train de réacte mon live. Cette ville qu'il s'approche face à moi, dans ce cas là face à nous même. Parlez toujours, vous nous intéressez. Alors on vous écoute. On va pas s'asseoir, dis pas assis, ok, on reste debout. Respect. Si vous nous voulez du mal, allez-y, on vous en prie. Respect, tu connais pas. Arrête de parler de respect, tu connais même pas le respect. Pardon. C'est pas nous. C'est pas nous non plus. Ne tirez pas, ne tirez pas, ne tirez pas. Ne tirez pas, ne tirez pas. Baissez les armes, baissez. C'est pas nous. Calme, arrêtez. Merde, tu tires sans faire exprès. Doucement pour le galop en ville, messieurs, dames. Nous n'étions pas encore en ville. Nous n'étions pas en ville. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ouais, et monsieur, c'est démasqué s'il vous plaît quand vous êtes en ville. On n'a pas un masque, on a un chaud sur la tête, c'est pour éviter d'avoir la pluie qui coule sur notre visage. Merde. Vous l'enlevez. Tout de suite. Qu'est-ce que tu viens de faire? Merde, c'est-à-dire que j'étais en train de trifouiller. Mais comment? Mais pourquoi? On avance, on avance. J'ai mis ce clic encore. On va à Saint-Denis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Continuez. Ils vont là. Allez, je vous aide, on y va ensemble. C'est moi qui cherche, regardez-moi, c'est qui a les tirs là-bas. Ouais, t'es trop beau. Je sais pas si on peut dire autant de toi, t'es en monocouleur, c'est quoi ce bordel ça? Attends, c'est Terminator 2 ou quoi? Tu m'as fait quoi là? Quoi? Bah, tu ressembles à un cyborg. Moi, je suis venu sur hasard, mon b...
sur des meufs. Je suis pas là pour parler à un mec. Bah oui, mais je te dis cache. Moi j'ai 42 ans, j'ai pas que ça à foutre. Quelque part, voilà, je te mets peut-être à la limite une perruque, peut-être voilà, tu feras mon 4 heures. Et je suis désolé, passe-moi la meuf à côté de toi là, passe-moi la meuf à côté de toi. Non. Si, passe-la moi. La sœur, une amie, ta pote, comme une envie de bouillave là, comme une envie de bouillave. J'ai une envie de bouillave là. Bouillave. Je vais faire l'amour moi, faire l'amour. Là j'ai un trou du cul, il me fait trop marrer lui. Le trou du cul, c'est hier depuis tout à l'heure, hein. Et comme qui dirait, femme qui rit, à moitié dans mon lit prochainement. Regardez-le, ce gros pervers. Regardez comment il donne envie. Elle doit faire l'amour sous ce genre de... Là je la fais sourire les gars, putain. Ah, je suis chaud, je suis bouillant. Envoie mon Insta en privé, ok. On essaie de faire connaissance et je t'enverrai au 7ème ciel. T'es sous le charme. Ah, mais jamais d'avis dans tes rêves. Hein. Qu'est-ce que tu me reproches? C'est d'avoir une 3ème salle de bain? C'est parce que je prends des extraits audio de toi et je les diffuse? Tu prends des extraits audio de moi? Ouais, parce que là, en fait, on est sur YouTube, on enregistre. Mais toi, t'es qu'un fils de la vérité. Il m'a filmé, il m'a mis sur TikTok. Et tout de suite, on est avec Tagada. Comment ça va, Tagada? Ah, le bâtard en seconde lame, Mbappé. Ah, Tagada, t'es en live? Ça va? Tu vas bien? Allez bien, jusqu'à temps que je sache qu'il y en a un qui m'a affiché, qui m'a mis sur TikTok. Encore, t'es pas content d'être affiché. Et on la comprend, cher viewer. C'est normal, il y en a qui sont pas contents. Mais on va tout de suite lui poser la question fatidique du coup. Comment ça va avec ta soirée en ce moment, Tagada? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Tu fais quoi? Ah bah là, on est en live. Ah, et tu me montres pas? Bah bien sûr que si. On applaudit Tagada dans le chat qui a l'air super content d'être avec nous ce soir, les gars. Je vous rappelle qu'à minuit, on fera l'open des cadeaux de toute façon, donc n'hésitez pas à taper la commande. Tiens, modérateur, tu me fais la commande Tagada dans le chat. Enlève ton t-shirt. T'es gelé. Oh mon dieu, mais on les a vraiment tous là ce soir. Vas-y. Non. Vas-y. Non, mais c'est pas vrai. Retire le t-shirt. C'est ça. Non, il va qui me chat du soleil. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.